bien. Et oui, aujourd'hui, nous y voilà. Nous avons, enfin, j'ai reçu de Delivery, deux boîtes, deux choses que j'ai, une que j'ai déjà commandée, pardon. Donc, on va l'ouvrir rapidement. Et puis l'autre, j'ai craqué, hein, à force de voir les filles avec leurs vidéos et puis nous les mettre en ligne. Ben voilà, moi j'ai craqué aussi. Vous allez savoir sur quoi j'ai craqué. Alors, on va ouvrir le plus gros. Alors, j'espère que vous allez bien en cette journée. Nous sommes lundi 29 juin et exactement 17h15. Waouh, on ne peut pas être plus précis, n'est-ce pas? Ouh là là, c'est encore très bien emballé comme la toute première fois que j'avais passé ma commande. Très très bien emballé. Alors, je ne vais pas trop m'éterniser dessus parce que j'avais déjà fait une. J'avais déjà fait une vidéo explicative en fait, exactement en détail. C'est soit j'essaierai de mettre le lien en information en haut là. Ou si j'y arrive pas, parce que je suis pas très très douée dans ce genre de truc, je le mettrai en barre d'information. Donc comme ça, vous pourrez vous y retrouver. Oh, même les autocollants qui sont pas rangés correctement. Il y a encore plus d'étiquettes. Voilà, des étiquettes, des autocollants. Donc vous comprenez de suite en voyant l'image que j'ai recommandé une même boîte. Pour quelle raison j'ai commandé une seconde boîte? Parce que je la trouve absolument très très bien. Et en plus d'être très très bien, il y a des grands compartiments dedans, des petits compartiments et des moyens compartiments. Et j'ai des très grandes toiles qui sont arrivées, enfin très grandes toiles comparées à ceux d'Estelle. Elles sont quand même petites, mais pour moi elles sont grandes. Et j'ai beaucoup de couleurs. Donc, j'ai voulu m'en recommander une autre boîte pour pouvoir avoir de la réserve dans les moyennes. Parce que la première que j'ai commandée, je vais vous faire ça tout de suite. Alors, ça, c'est le couvercle. Le couvercle est nickel. Absolument pas abîmé, donc c'est impeccable. Donc voilà comment ça se présente. Hein. Un rappel rapido. Donc voilà. Ma première que j'avais reçue. Alors, je vais vous la faire voir elle est juste à côté de moi. Juste que je retire tout mon blabla qui est dessus. Donc voilà. Ça, c'était ma première. Donc vous voyez, elle est déjà bien à moitié pleine. Et en fait, la différence entre les deux, pourquoi j'ai voulu commander une autre boîte, c'est aussi à cause de ça. Parce que ces petits compartiments-là, je les adore. Pardon. Je les adore. Ils sont moyens et on en met pas mal dedans. Ça aussi, ils sont bien. Mais on en met beaucoup moins. On peut mettre 3 sachets, voire peut-être 4. Je ne me rappelle plus exactement combien de sachets on met dedans. Mais. Les toiles que j'ai à l'heure actuelle, il y a des endroits où c'est vraiment des couleurs énormes. Et ça fait trop petit. Et la moyenne, en fait, de boîte de diamants qu'on reçoit, ça peut aller de 4 à 5 sachets, voire plus par moment. Donc, c'est pas assez, en fait. Donc, je voulais avoir des compartiments de la sorte, plus dans la boîte. Donc là, en fait, comme vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc il y a 26 petits compartiments. Alors que dans celle-ci, il n'y en a que 13. Vous voyez la différence? Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 8, 16. Et là, j'en avais 16. Donc maintenant, j'en ai 32. Et ensuite,
J'ai des boîtes encore un peu plus grandes de ce style. J'en avais que 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'en ai 10. Et j'ai 3 énormes boîtes. 3 énormes boîtes, 6. Donc, je suis très contente parce que finalement, je vais pouvoir mettre les petits tous ensemble et les grands tous ensemble. Et quand je fais une grande toile, ce sera bien plus pratique. Donc, c'est ma façon à moi de gérer mes diamants. Chacun son truc. Mais voilà. Donc, en fait, je ne vais pas m'éterniser, donc comme je vous ai dit, sur cette boîte, puisque j'ai déjà fait une vidéo la démontrant entièrement. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos ou dans le petit coin, là, information, si j'y arrive, si je sais comment on fait et si je peux, parce que c'est peut-être pas encore autorisé, on verra bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'était ma boîte. Faut pas que j'oublie de vous dire, en fait, donc combien je l'ai. Elle vient donc de chez Huacan. Donc, elle fait 42 boîtes en tout. Je l'avais commandée le 6 juin et elle est arrivée le 29, donc aujourd'hui ce matin. Et elle m'avait coûté 14,99 €. Si je l'avais eu en offre. Donc à l'heure actuelle, je ne sais plus combien elle est. J'ai oublié de noter le prix, mais de mémoire, je m'en rappelle. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons passer à l'autre petit. Donc je vais vous descendre légèrement parce que vous êtes vraiment en hauteur à cause de la grosse boîte. Je vous avais mis en hauteur. Donc je vous descends. Et voilà, voilà. On va pouvoir ouvrir ce petit paquet tous ensemble et voir ce qui se cache à l'intérieur. C'est bien collé. On va tout ouvrir. Plutôt, Isabelle, jamais le cutter vers toi. Cutter te verrait, t'assassinerait. Oh là là. Toujours le cutter vers l'extérieur, jamais vers toi. Jamais, jamais. Oui, papa. Oui, papa, je me rappelle des leçons, papa. T'as raison. J'ai déjà été assez à l'hôpital pour des doigts coupés, donc ça me suffit, quoi. Ça me suffit. Alors, celui-ci. Tintintin, vous êtes prêts? Allez, je suis sûre que vous avez deviné ce que c'était. C'est un carré, donc attention. 1, 2, 3. Vous avez deviné? Bah voilà, c'est un petit carnet. Et voilà, un petit hibou. Tout chou. J'ai eu beaucoup de mal à choisir parce qu'il y en a tellement des bouts, il y en a tellement toutes sortes. Je ne sais pas trop quoi choisir. Il y en a même avec les thèmes de Noël qui sont magnifiques. Je me suis dit, bon, on va commencer par un. Si ça me plaît, eh ben, je pourrais toujours en commander d'autres. Et puis... voir si je peux compléter ma petite collection. Alors, celui-ci, il vient de chez Huacan. Je l'ai commandé le 9 juin. Il a été envoyé le 12 et il est arrivé le 29. Donc, 20 jours. Jour pour jour, 20 jours. Donc, voilà. Et il m'a coûté 8,41 €. Donc, voilà. Alors, ouvrons-le. Ouvrons-le pour voir ce que nous avons à l'intérieur. Un papier sur les cols. Alors, nous avons donc le fameux kit, hein, toujours pareil, toujours. Donc toujours pareil, toujours le fameux même kit, petit bateau. Des sachets, un petit pain de colle. Voilà, Isabelle utilise le petit trick que tu as toujours donné à tout le monde. Donc voilà, petits sachets qui peuvent aider en fait certaines personnes. J'en ai tout un tas, il va falloir que je commence à distribuer en fait. C'est plus ça que j'en ai. Je les accumule en ce moment. Donc voilà, je ne vais pas trop détailler dessus. Vous avez déjà dû voir mille et une fois en fait ce genre de petits... ce genre de petit kit. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est la fin de journée. C'est normal. C'est normal. Donc voilà, mon petit hibou, il me plaît bien. Il est trop chou. Oh. Donc voilà, un petit cahier banal. Hein, en haut,
c'est marqué mémo, les dates, donc en fait vous pouvez l'utiliser. Donc mon intention était d'utiliser pour remplacer mon bloc-notes que j'utilise à l'heure actuelle, mais je vais surtout le remplacer par comment vais-je dire en fait, c'est-à-dire que toutes les toiles que j'aurai fait qui sont finies, je vais les mettre dedans. L'autre bloc-notes, je vais continuer à m'en servir, c'est quand je vais passer mes commandes pour le suivi, parce que des fois on fait des ratés, on fait des corrections, on fait des choses et j'aime pas. Donc j'aime bien écrire quand c'est propre, j'aime pas quand il y a plein de ratures, donc voilà. Ça va être bien pour les toiles finies, terminées. On mettra toutes les références dedans avec tout ce que j'ai acheté, quand je l'ai acheté, à quel prix je l'ai acheté, dans quelle compagnie je l'ai acheté. La taille et puis s'il y avait quelques soucis ou quoi que ce soit en fait. Donc voilà, on est tout mignon, j'adore. Donc on va regarder les diamants spéciaux. Désolée pour le bruit, mais on n'a pas le choix. Et puis ça, on le fera ensemble aussi. Hein. C'est comme vous avez dû voir le unboxing de mon marque-page. Excusez-moi. C'est la même chose. Le marque-page, on le fera ensemble du début à la fin. Le cahier, c'est la même chose. On fera du début à la fin. Le cahier, on fera peut-être en une séance. J'en sais rien. On verra bien. Mais voilà. On va prendre l'autre sens. Donc voilà, on a un joli bleu, vraiment très très beau, bleu noir, hein. Magnifique, vous voyez bien, mais il est très beau. On a un bleu vert, peut-être vert devrais-je dire plutôt, sûrement vert, un noir, voilà, on a du rouge pour le bec, on a du jaune pour les yeux. Et puis on a les diamants spéciaux, donc on a des grands cercles, qui changent de couleur, vous voyez, qui changent de couleur. Alors ces grands cercles, c'est le 6, c'est ça, hein, c'est marrant parce que j'en ai beaucoup dedans, alors que j'en ai besoin que de 2. C'est cool ça. Et puis on a des gouttes couleur bleue, elles sont très très beaux aussi, je ne sais pas si vous voyez en fait. À quoi il ressemble, voilà, joli bleu, très joli bleu, vraiment magnifique, waouh, tout beau, tout beau, tout beau, tout beau. Donc voilà, c'était petit unboxing du jour, pas grand chose, hein, mais ce qui est sûr, on le fera ensemble. Je ne le ferai pas toute seule, on le fera ensemble, et puis ça sera l'occasion de blablater ensemble, et puis de nous raconter plein de petites choses. Oh, il est trop beau. Moi, je l'adore. Il est trop mimi. Ouais. Ça va flasher les couleurs. Ça va donner, en fait, avec le fond noir. Là, je pense que ça va vraiment être sympa. Donc, voilà. Sur ce, mon petit hibou, ben, il vous fait des gros bisous. Et Titan Fix vous dit à bientôt. Bye. C'était Titan Fix. Bye.